Bonjour tout le monde. Salut, Alex. Salut tout le monde. Comment tu vas à la veille de tes vacances? Ah bah ça va de mieux en mieux même. Ouais ouais, tu m'emmènes avec toi dans tes bagages? Non, chacun son toit. Je veux retourner à la piscine s'il te plaît. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On a décidé de vous faire une petite vidéo d'arrivage. Hein. Donc voilà, on a reçu quelques trucs et puis on veut vous montrer. Alors il y a des petites conneries à moi, ça j'en parlerai en fin de vidéo. On démarre par mon vrai coup de cœur. Je sais pas c'est lequel. Bah quand même. Si. Bah, tu sais, il y a les crados, il y a plein de trucs. Bon, ça, c'est un vieux coup de cœur. Mais en nouveau coup de cœur, c'est quoi, à ton avis? Bah, ça doit être ce truc-là. Ah, ça aurait pu être ça. Allez, on va en parler tout de suite. Bah. Donc, il y a une nouvelle édition de Magic qui sort, qui s'appelle Dominaria. Je sais pas si tu as suivi Magic, pas du tout. Dominaria, en fait, c'est le monde d'origine de Magic. C'est là où tout a commencé il y a 30 ans, en fait. Quel monde d'origine avec les créatures de base, les elfes, les gobelins, les machins. Et c'est dans ce monde-là où il y a eu une guerre entre deux frères, Urza et Mishra, et c'est là où tout a démarré. Enfin bon, bref, on revient sur le plan d'origine. Okay. Pour fêter les 30 ans de Magic, alors il y a un truc. Tac, ça te parlera pas. Je vais faire voir aux gens. Est-ce que ça vous parle? Peut-être que oui ou non. Bon, en fait, c'est tout con, et moi j'ai halluciné. Mais ça, en fait, c'est la couleur et le visuel du display d'origine de Magic. Ils ont repris le même logo d'origine, le même couleur, et là, ils ont mis... avec une main, c'est pas évident. Ils ont mis le petit truc 30 ans. Voilà, c'est okay. Tout couillon, c'est que pour les vieux cons comme moi. Mais ça reprend le design. Ça marche. Bon, après, la façade, voilà, c'est pas le même. Mais rien que ça, franchement, j'ai trop kiffé, quoi. Donc, ils nous ont sorti des displays, bon, comme d'habitude, hein, 20 milliards de displays, les collectors, les drafts, les boosters d'extension et tout. Mais la vraie nouveauté, c'est effectivement ça. Hop, c'est les boosters Jumpstart. Donc, c'est des gros boosters de 20 cartes qui incluent des landes. Et le principe, c'est en gros comme Keyforge. C'est tu ouvres, tu joues et tu as un deck. C'est pas mal. Donc, en gros, c'est pour faire du paquet scellé. Enfin, gameplay paquet scellé. Mais au lieu de prendre 6 boosters comme on avait fait une fois. Là, on se prend que deux boosters, on les ouvre, on les mélange, et voilà. Il y a, je crois, une vingtaine ou une quarantaine de pools différents, et un booster, c'est une sélection aléatoire parmi un seul pool. Donc, tu peux avoir... Je pense que c'était décrit derrière. Ah, c'est écrit. Ah bah, attends. Hop, bienvenue dans Jumpstart, est un moyen simple et rapide de construire... Deux decks de Magic de 40 cartes et commencer à jouer, ok. Commencez par prendre 4 boosters Jumpstart, oui, pour 2 joueurs, ok. Mais par personne, c'est 2. 2 boosters, construire un deck de 40 cartes, mélangez-les, c'est parti. Ouais, mais ils ne précisent pas le nombre de thèmes. Moi, il me semble que j'avais lu une vingtaine ou une quarantaine de thèmes. Mais je me suis peut-être planté, ça se trouve, il n'y en a que 4 différents. Honnêtement, j'ai un doute, en fait. Hop. Je ne sais pas ce qui est indiqué derrière. Ouais. Donc voilà, ouais, ça c'est un petit coup de cœur parce que tu fais du scellé à 2 boosters en fait, et pas à 6. Je pense que je vais me laisser tenter. Mais il me faudra un adversaire. Hein, Alex? Non, ça ne te tente pas toi. Ça t'a traumatisé. Écoute, j'ai tenté une fois Magic, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, j'ai l'impression. Ça t'a traumatisé. Bon, j'avoue, ouais, les sorties que t'avais fait, c'était pas ouf. Non, mais ouais, je crois que je vais tenter. C'est génial, quoi. 2 boosters. Ah bah après, c'est ton format, hein, première vue. Ah ouais. Scellé. Je pense qu'on fera même des trucs ici en boutique pour ceux qui sont pas trop loin. Voilou. Et non, en fait, mon vrai coup de cœur, c'était ça. C'était les mini-games. Ok. Ouais, mais comme t'as un coup de cœur avec tout aussi, pour te dire lequel est le vrai coup de cœur. Non, pas en jeu de plateau, c'est rare mes coups de cœur en jeu de plateau. C'est jeu de plateau ça? Ouais, c'est pas un CCG. C'est un jeu de cartes quoi, c'est... Ouais, mais c'est pas en CCG. Bon, est-ce que t'as envie d'expliquer le concept de ça? Bah, je le connais pas trop, donc vu que c'est ton coup de cœur, j'ai envie de te dire. Allez, donc en fait, c'est une gamme de jeux qui s'appelle les micro-games, qui sont vendus dans des petites... Porte-cartes. Porte-carte de crédit, ouais, vraiment ça passe dans une poche, c'est vraiment tout petit. Il y a différents types de jeux, il y a du jeu coop, du duel, de l'affrontement, du jeu solo. Ouais. Alors jeu solo, là j'en ai plus, enfin j'en ai là ici. Bah tiens, on peut faire voir.
Donc à chaque fois, vous avez le titre du jeu, l'auteur, un petit pitch du jeu vite fait, la catégorie du jeu. Donc là, quand vous les avez dans le présentoir, vous pouvez vraiment choisir le type de jeu qui vous plaît. L'âge minimum, le nombre de joueurs, la durée de la partie. Et c'est que des cartes comme ça, qui se rangent dans deux petites pochettes. Il y a une règle qui est, tiens, je veux bien que tu la fasses voir, qui est toujours assez simple. Ça tient en un petit livret comme ça qu'on déplie. C'est extrêmement simple. Et il y a des jeux complètement différents, plusieurs thématiques. Là, par exemple, l'île des prédateurs. Bah, tiens, si tu veux, on va faire voir. Je vais faire un petit setup de la partie, c'est tout bête. On a des animaux qui sont numérotés de 0 à 15 de mémoire. On a deux petits bonus. On commence par mélanger les animaux qu'on dispose sur une grille de 4 par 4. Hop. Bon, là, je ne sais pas si tu vas tout bien voir. Hop, 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 hop. Tac, tac. Voilà. Et le but du jeu, donc les animaux vont se manger entre eux, et quand tu manges quelqu'un, tu déplaces le prédateur sur ta proie. Et à la fin de la partie, il faut que tu arrives à une seule pile pour le faire le record et gagner. Tu gagnes également si tu arrives à deux ou trois piles. Par contre, au-dessus de trois piles, tu perds. Et quelle est la restriction pour se manger? En fait, les animaux peuvent manger des animaux qui ont une valeur de 1, 2 ou 3 en dessous sa propre valeur. Par exemple, le 9, et c'est à chaque fois indiqué sur toutes les cartes, le 9 peut manger le 8, le 7, le 6. Le 1, il peut manger le 0. Le 6, il peut manger le 5, 4, 3, et ainsi de suite. Donc le but du jeu, c'est quand tu l'installes, tu essayes de visualiser un petit peu par quel côté tu vas démarrer. Moi, généralement, j'essaye de démarrer soit par le côté du 15 ou soit par les toutes petites valeurs. Donc là, le 15, tu vois, il est bloqué. Il ne peut pas manger ce qu'il a autour de lui. Donc il faut démarrer autrement. Là, tu peux éventuellement démarrer par le 14 qui peut bouffer le 13, le 12 qui peut bouffer le 11, le 1 qui peut bouffer le 0. Ouais, tiens, on va démarrer par ça. Allez. Donc je vais manger. Hop, et à chaque fois que tu manges quelqu'un, le prédateur déclenche un pouvoir. Il y a plein de pouvoirs divers et variés. C'est grâce à ces pouvoirs que tu peux déplacer, intervertir, faire des petits tricks. Et ça va t'aider à gagner. Tu as également deux cartes de joker, en fait, qui sont des super options pour te débloquer. Bref. Et en fait, ça a l'air de rien. Et tu te prends, mais grave la tête. Tu essayes de bien faire ton truc. Donc là, il disait quoi, lui? Je déplace un animal de 1 à 3 cases. De 1 à 3 cases. 1, 2, 3. Tiens, je vais déplacer le 14. 1, 2, 3. Ensuite, le 15, il va manger le 14. Au prochain tour, l'ours polaire ne peut pas manger. Ok, on va faire manger quelqu'un d'autre. Est-ce que le 5 boufferait pas le 3? On va essayer, hein. Hop, je déplace un animal de 2 cases. On va déplacer celui-là du... Ah, c'est deux cases. Ah ouais, écoute, 1, 2. Le 5 va bouffer le 2. Je déplace un animal de deux cases. 1, 2. J'essaie de rapprocher le 5 du 4, mais bon, là je suis un peu bloqué. Le 8 va bouffer le 7. Je fais le pouvoir du 8. Au prochain tour, si le prédateur mange une proie d'une valeur inférieure d'exactement 1, je défausse un animal non empilé. Et je ne pourrais pas le faire. Ah si, le 12 bouffe le 11. Je déclenche le pouvoir. Je défausse un animal non empilé. Je défausse le 1. Je fais le pouvoir du 12. Au prochain tour, le prédateur doit se déplacer deux cases pour manger. Et ben, une, deux. Voilà. Puis bon, voilà, ainsi de suite, quand tu as compris le... Et c'est tout con. Et en fait, le soir, je joue. Alors, j'aime pas les jeux solo et tout. Hein. En fait, je trouve ça génial, quoi. Donc, tu as ce jeu-là. Alors, je ne vais pas vous faire voir tous les jeux. Hein. Ouais, c'est bon, on peut arrêter. Je vais faire voir vite fait. Je ne vais pas vous faire voir tous les jeux dans le détail, mais ils ont vraiment à chaque fois une thématique différente. Là, tu as la crypte de Sedlec. Tu dois essayer de faire une pyramide. Et suivant comment tu ordonnes des cartes, tu fais des combos de points, etc. Tu es à table. C'est un petit jeu de déduction, de bluff, où on va mettre des ingrédients face cachée dans une marmite pour se préparer un ragoût.
Et dès que tu penses qu'il y a 12 points de légumes dans la marmite, tu cries à table, tu retournes les cartes, tu vérifies s'il y a bien 12 et tu regardes si tu as gagné ou perdu. Sauf qu'il y a des affamés qui sont au bord de la table et qui vont te piquer les légumes au moment où tu révèles ton ragoût. Et à toi de les nourrir en cours de partie pour pas qu'ils te bouffent ton truc. Enfin, c'est, Et après, tu as des... Hop, tu as Mégalopolis, tu as Agropolis. C'est des jeux avec un peu du style Carcassonne et compagnie, où tu as des paysages, tu essayes de former... D'accord, une map. Voilà, une grande map, et chaque dos de carte est un objectif qui te donne le système de scoring. Okay. Et du coup, les objectifs changent à chaque fois dans toutes les parties, et c'est jamais la même. Et esthétiquement, c'est très 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 joli. Hein. Tu as ça, tu as le truc des rizières, c'est un peu le même principe, un peu du Carcassonne-like, on va dire. Tu crées un espèce de paysage pour scorer. Il y en a un dans la table, ça je l'ai dit. C'est de l'aigle, je l'ai dit. Les chariots, c'est... J'ai pas bien regardé celui-là. C'est le seul que j'ai pas bien regardé. Donc, celui-là, je pourrais pas trop en parler. Mais bref, ouais, ça c'est mon petit coup de cœur parce que bah, moi j'aime bien les petits jeux. Et puis là, c'est ultra minimaliste. C'est, je kiffe quand tu mets ça dans ta poche. Je sais pas si tu avais connu les astu-jeux. Dans les années 80. Bon, ouais, t'es pas né en 2000 quand même. Je suis né en 85, j'ai eu du mal à m'y mettre au lieu. Bah, les astu-jeux, en fait, c'est, t'as connu les cassettes audio quand même. Oui, ça j'ai connu. Ouais. Donc t'avais des jeux qui esthétiquement, c'était une cassette audio. Et tu la secouais comme ça, et t'avais un plateau qui se déroulait de la cassette. Et t'avais un des éléments de la cassette qui s'ouvrait, t'avais des pions aimantés qui étaient planqués. Et tu avais les deux petites roulettes de la cassette. En fait, c'était des dés. Et tu cliquais un petit curseur, tu avais les deux roulettes qui tournaient. Mmh. Et ça te faisait ton résultat de dés. Et tu avais un jeu de plateau dans une cassette, en fait. Astu-jeu, il n'y a pas plus astucieux. Tu l'emmènes partout, tu t'amuses comme un fou. Pour le déplier, une tactique, un coup de claque, c'est le déclic. Astu-jeu. Astu-jeu, pour jouer à deux, il n'y a pas plus astucieux. Astu-jeu de MB. Et moi, ça me rappelle trop ça, quoi, le côté. Là, t'as rien du tout. Moi, je connais pas du tout ce jeu. Oh, ça va rappeler des trucs à certains, je pense. À certains. Ouais. Donc bref, ouais, ça effectivement, c'est un petit coup de cœur du moment. On a reçu quoi ? Un petit nouveau jeu qui a l'air, qui a l'air celui-là, sympa. Celui-là, il me perle pas mal, par contre. Moi, j'aime bien les jeux à la con comme ça, les petits jeux d'apéro. Donc ça s'appelle Left-Right Dilemma. Donc c'est gauche-droite dilemme. En gros, on va démarrer le plateau en posant une carte. Hop, est-ce qu'on va voir ? Si je zoome, ça va être mieux. Voilà. T'as une carte qui te file un dilemme avec deux options possibles. La carte te dit t'envoyer à l'air sur une plage bondée ou dans un igloo. Bon, bah tu fais ton choix et après tu dérives comme ça de carte en carte pour arriver au final à choisir une maison. Et les joueurs, ils vont essayer de deviner quel chemin t'as pris. Donc voilà, ceux qui te connaissent, ils vont peut-être griller, sinon non. Et je pense, voilà, vu les options de jeu, c'est que des conneries. On a vu, tu te fends bien la gueule, je pense. Oui, ça doit être pas mal. Et puis, il y a pas mal de cartes. Parce que j'avais peur que tu fasses vite le tour. Et en fait, il y en a 200, je crois que j'ai vu. Ah ouais. Et puis, avec les 200, sachant que tu en utilises 6, tu tomberas jamais sur le même ordre. Ouais, enfin, c'est clair. Peu de chance, en tout cas. C'est clair. Donc, en fait, il y a quand même de la rejouabilité pour se taper des bonnes barres avec dessus. Mais ouais, j'ai trouvé ça sympa. Moi, j'aime bien ce style de petit jeu. On avait reçu un robot rallye depuis quelques temps et je sais pas si tu te souviens, il était emballé dans le papier bulle. Ouais, tout ce que je me souviens, c'est que c'est Richard Garfield. Ah oui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce jeu-là, c'est grâce à ce jeu-là si Magic existe. Richard Garfield l'a proposé en édition à Peter Atkinson, le président de Wizards of the Coast. Le jeu lui a plu, mais il lui a dit non, j'ai pas de thune pour produire ça. Moi, j'ai besoin d'un petit jeu qui joue en 5 minutes sur un coin de table. Et là, Garfield lui montre Magic. Et bah, vu le succès de Magic, ils ont eu la thune pour produire ce jeu-là derrière. Et ça, c'est la nouvelle édition que je ne connaissais pas. Et j'ai voulu la montrer parce que j'ai été étonné de voir la qualité de peinture et de modélisation des figurines. Moi, j'ai une vieille version avec des pions plastique noir et blanc. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est une course dans une usine où on va programmer
ces robots face cachée avec des mouvements qui seront avancés, reculés, tournés à gauche, etc. Tout le monde autour de la table programme ces mouvements. On va révéler la première carte. Et il y a une valeur de vitesse d'initiative. Le plus vite autour de la table commence à bouger, puis celui qui est plus lent, puis ainsi de suite. Et les robots, ils vont se pousser, ils vont aller dans des lasers, tomber dans les trous, des tapis roulants, des machins. Et en fait, c'est une course. Tu as des drapeaux qui sont sur la map et tu dois passer par tous les drapeaux pour gagner. Okay. Tu as du stuff que tu peux choper, des armes, des missiles, de la vie, du machin. C'est le gros what the fuck. C'est un Mario Kart, quoi. Ouais, mais clairement. Et c'est un jeu d'ambiance, hein, mais c'est... tu te fends la gueule. C'est le gros dawa. Donc ça, c'est cool. Ouais, allez, on va montrer ça. Mais alors ça, c'est n'importe quoi. C'est pas des choses que vous trouvez en vente chez Ludiworld. Mais voilà, moi, je collectionne un petit peu de figurines. Et là, c'est mes derniers joujoux. Tu connais ça, quand même? Ça, je connais. Ah. T'as regardé les nouveaux? Il y a une perfecte édition qui vient de sortir en langue. Ouais, j'ai commencé. Mais c'est écrit en petit, hein. Putain, j'ai plus l'habitude. J'ai trop plus l'habitude. Donc voici Dai, Fly en français, de l'anime et du manga Dai no Daboken, c'est Dragon Quest, designé par Toriyama. Donc voilà, une petite figurine qui est juste sublime. Bah, franchement, je vais la découvrir en même temps que vous. Ouah ! Oh la vache, qu'elle est belle! Bon, il y a le reflet, hein, mais... Oh, mortel. J'adorais Fly, je te jure, c'était trop bien. Donc voilà, mon petit délire. Et puis pour ma collection Club d'eau, j'appelle ça, je me suis pris une petite bunny Sailor Moon dans sa version saison 5 ou je sais pas quoi. Bon, je connais pas bien la série, mais elle a les petites ailes derrière et tout. Elle est magnifique. Elle est sublime. Ouais, j'ai une collection Club Dorothée. Ouais. Je me fais une figurine de chaque animé qu'il y avait dans Dorothée. Donc juste Fly, la prochaine collection. Non, non, j'arrête. Oui, j'en peux plus. Oui, oui. Non, non, je fais Senseiya, oui, ok. Mais donc il me faudra un Ranma, un Yu Yu Hakusho, un Ixor, un Dr. Slump. Enfin, j'ai plein de trucs quand même encore à acheter, hein, mais je ferai pas toutes les figurines. Bon, bref, voilà, ça c'est mon petit délire. Je vous avais dit hein, que c'était une petite vidéo... On a reçu la nouvelle série de cartes Kratos, pour continuer dans les trucs des années 80 qu'Alex connaît. Et puis ça, j'ai pas envie de connaître, hein. Je vais être franc avec vous. Arrête, elles sont trop belles. Oh là là, non, mais c'est une catastrophe ce truc. Allez, vas-y, on va regarder quelques cartes. Je vous fais pas tout voir, parce que ça, je vais faire une vidéo dédiée en fait. Allez, on les prend au hasard. Par contre, mélange pas les numéros, s'il te plaît. Oh, regarde comment c'est cool. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Kratos déjà, c'était une série de stickers sortis dans les années 80 où il y avait un album, on collait les images dedans et tout. Aux États-Unis, ça s'appelle les Garbage Pail Kids. Chez nous, ça a duré de 88 en 91. Il y a eu un autre album en 2003, mais on n'a eu que ça. Et chez eux, ça s'est jamais arrêté, en fait, presque. Et là, depuis 20 ans, il y a deux séries par an et ça continue. Alors que nous, on n'a plus rien depuis des lustres. Et là, le thème, c'est les marque-pages. Bon, ok. Je vais regarder ça dans la vidéo dédiée, mais... les marque-pages. Bon, voilà, c'est les Kratos. Hein. Donc, c'est des personnages qui sont des caricatures d'une gamme de poupées qui était sortie début des années 80. Les cabbage... Enfin, je sais plus. Les patouches, je crois, ça s'appelait en français. Et ça, c'est une caricature des poupées... Et là, toutes les séries qui sortent, ils ont des thèmes différents. Il y a eu l'école, il y a eu les séries télé, il y a eu tout un tas de trucs. Et là, c'est les marque-pages. Bon. Donc bref, ça c'est arrivé, je ferai une vidéo dédiée. Et qu'est-ce qu'on a reçu d'autre dans ce qu'on voulait faire voir? Ouais, on a reçu des petits portfolios. Hop. C'est des 4 cases. Ouais, on a plein de modèles différents. Il y en a des comme ça où on peut mettre une carte pour faire voir quelle est la collection qui est rangée à l'intérieur. Mmh. On a reçu des modèles comme ça, basiques. Et en fait, si je vous en parle, c'est que c'est une offre de déstockage que j'ai récupérée du fournisseur. Où, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a les emballages qui sont un peu vieillots. Je pense que ça fait un moment qu'ils les avaient. Donc l'emballage est franchement pas terrible. Mais une fois que c'est ouvert, ils sont impeccables en fait. Et c'est des modèles qui sont vendus 3 fois moins cher que les autres.
Donc voilà, j'en ai pris parce que si vous êtes à la recherche de stockage pas trop cher, eh ben c'est cool. Ouais. Et pour terminer, vas-y, je te laisse nous présenter la boîte à pêche. Alors ça. Des petits casiers de rangement de tokens. GameGenic pour ranger les dés, les tokens, que ce soit pour les jeux de cartes, les jeux de plateau. Pour la couture, pour la pêche. Donc il y a un couvercle, hein, c'est ça, et les différents éléments sont sortables de la boîte. Exactement, et la grande boîte, vous pouvez faire un lancer de dés dedans aussi. Ah bah oui, dans le couvercle, ouais, ouais. Et le fait que ce soit escamotable, bah, tu peux sortir ton truc. Tu le poses à côté de tes cartes, chacun prend sa boîte. Oui, et puis bon, après les jeux de plateau, il y a pas mal de tokens, etc. C'est vrai qu'au lieu de fouiller dans le sachet zip pour trouver le bon token au bon moment, bon, bah, vous pouvez déjà tout trier. Donc il y a différents coloris, il y a du multicolore comme ça. Alors il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du rouge, du noir. J'ai vu du rose. Ok, ouais, il y a un petit peu tout bas. Je pense qu'en fait, ça va être toutes ces coloris-là, en fait, tout simplement. Et je crois qu'il y avait du vert aussi. Ouais, bah c'est ça, c'est toutes les coloris de la multicolore. Donc voilà, on a reçu ça. Entre autres, on n'a pas tout montré ce qu'on a reçu encore cette semaine. Mais non, là, c'était surtout pour vous montrer la petite gamme de micro-game. Le Magic Jumpstart, ça, c'est cool. Et puis mes figurines. Bon, bah écoute, merci Alex. Bah de rien. Bonnes vacances. Oui. Tu vas revenir bronzé. J'espère. Ouais, bah ouais, vaut mieux. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, puis à poser des questions si besoin. On est là. Voilou, voilou. Allez, merci. Salut. Salut.